Welcome. Code promo 1x813 to Taiwan. Je vais vous parler d'un petit astuce que je viens de découvrir sur la partie FIFA, la partie esport de NXBet, ok. Parce que moi, la FIFA, ok. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. C'est important. Bon, j'ai découvert plusieurs fans, notamment au niveau de FIFA 22 4x4 championnat d'Angleterre, FIFA 22 5x5 Super League et également au niveau du FIFA 18 penalty. Ok, j'ai découvert trois failles et j'ai découvert des failles au niveau des trois endroits. Ok, bon, mais pour aujourd'hui, je vais vous parler de celui-là. FIFA 22 4x4 championnat d'Angleterre. Dans ma prochaine vidéo, je vous parlerai de celui de la FIFA 22 5x5 Super League. Ok, donc on va cliquer sur la partie FIFA 22 championnat d'Angleterre. Ok, maintenant vous voyez que le match qui est en cours, c'est équipe 2 qui domine. Pas ça? Donc, on va pas trop se stresser quoi. Lick. Donc, bon, l'astuce, bon, ou bien la faille, c'est que like vous allez regarder les deux précédents matchs, ok. Vous allez regarder les deux précédents matchs, c'est quelle colonne, vu qu'il y a la colonne des V1, la colonne des V2, vous allez regarder c'est quelle colonne qui a gagné durant les deux précédents matchs. Si c'est V1-V1, c'est-à-dire que ce qui suit encore sera V1. Si c'est V2-V2, c'est-à-dire que ce qui suit encore sera V2. Ok, maintenant, pour ce niveau, les trois précédents matchs, c'était V2 qui a gagné. Trois précédents matchs, c'est V2 qui a gagné. Et actuellement, c'est V2 aussi qui mène. Ok. On va attendre jusqu'à la fin du match. En tout cas, tu aurais un 4-4, 3-4. Subscribe. Vu que ça va un peu timer, donc on va partir au niveau de like. Du match suivant. C'est quel match? Aston Villa contre Watford. Celui-là, c'est ce match qui est le suivant. Ok, c'est lui qui est le suivant, donc on va aller cliquer sur ça. On va cliquer sur ça. Maintenant, comme je vous l'avais dit, que si V1 gagne durant deux matchs précédents, c'est que ce que c'est en quoi sera V1. Si V2 gagne durant deux matchs précédents, c'est-à-dire que ce que c'est en quoi ça sera V2. Ok, voilà. Donc pour ce match, ça sera Watford tu as gagné pour ce match. Watford, donc on va se patienter un peu. Patienter, voir ce match là est fini comme. Voilà, ce match est fini 3-4. Vous voyez que c'est l'équipe qui a gagné, c'est pas ça? Vous êtes tous témoins, ok. Donc, maintenant, si vous doutez de la victoire de l'équipe 2, c'est pas grave, je ne vous force pas à parier sur ça. Je vous force pas à parier sur la victoire de l'équipe 2, ok. Donc, maintenant, ce que je vous conseille, au cas où si vous doutez de la victoire de l'équipe numéro 2, venez au niveau de total. Et puis vous allez. Parier sur total 2, ça dépend de ce que vous avez choisi. Vous allez prendre les deux premiers.
vous allez parier soit sur ça, soit sur ça. Ça dépendra de vous. En tout cas, mais je vous conseille les deux premiers. Les deux premiers sont fiables à 99%. Ok. Ils sont carrément fiables, quelle que soit la cote. Même si la cote est élevée, comment je vous la conseille. Je vous la conseille. Ou bien vous venez au niveau du premier mi-temps. Premier mi-temps, c'est total. Premier mi-temps, c'est total. Vous venez au niveau de la cote totale, vous mettez plus de 1,50. Plus de 1,50, total 2. Plus de 1,50. Vous allez voir ça prendre. Comment un des deux va prendre. Bon, les deux. Bon, maintenant, c'est pour la première mi-temps. C'est pour la première mi-temps qui est fiable à 97% comme ça. C'est pas très fiable. Mais celui-là, mais pour le match global, là, je vous assure que c'est fiable. Je vous assure que c'est fiable. Je vous assure que c'est fiable à 99%. Très, très fiable. Bon, je vais mettre en pause la vidéo et revenir après la fin du match. Donc, hello! Allez, on est de retour. Bon, vous voyez par vous-même que je n'ai plus encore à parler. Je n'ai plus à parler encore. Au niveau du total, c'était quoi? C'était total plus de 2,50, plus de 3,50. Je vous ai dit, je vous conseille de prendre les deux premiers. Ok, et voici. Et puis aussi, de partir aussi à la première mi-temps et de prendre total plus de 1,50 pour subscribe l'équipe que vous avez choisi. Voici les 1,50 ont pris à la première mi-temps. La preuve même, ils sont à combien? Ils sont à 5-1. What from Aston Villa 5-1. Non, vous voyez les gars, s'il vous plaît, likez la vidéo, je n'ai plus. Et aussi, vous voyez que Watford gagne. Je vous ai dit, soit il va gagner. Et s'il gagne, les deux, au niveau du total global et au niveau du total premier mi-temps, ça va prendre. Comment ça va prendre? Et voici, les trois ont pris tranquille. No stress. Ok, et c'est fait aussi, je vais aussi profiter en même temps, vous. Fait un peu la publicité de mon groupe aussi où je publie des coupons FIFA. C'est un groupe spécial FIFA aussi. Attendez, je vous le montre. Ok, voyez pas vous-même. On a commencé hier. Le groupe a été créé hier. On a 13 membres. Voyez pas vous-même, tranquille, il y a du total de tranquille, ça a pris tranquille, no stress, 6 sur 6, no stress, on se stresse même pas, no stress, voyez pas vous-même. Bon, je vais laisser en description le lien de ce groupe, c'est un groupe Telegram, je vais laisser le lien en description pour que vous intégrez aussi et ensemble on fait rien que des verres. Mais je tiens aussi à vous rappeler que les feuilles ne sont pas fiables à 100%, mais 99%. 99%, je précise bien 99%. Ok, à fond. Et je laisserai aussi en description le lien de mes autres vidéos où je parle de quelques petites failles. Okay, je vais laisser en description aussi le lien de cette vidéo et je vous conseille également de cliquer sur le lien du groupe car c'est du lourd qui se passe là-dedans et c'est du lourd aussi qui arrive. Donc bon, ça sera, c'était juste pour ça. Donc ciao à tous et bonne journée.